Bonjour, alors je ne sais pas si vous savez, mais depuis 2 ans maintenant, je suis médiateur professionnel après avoir été formée par l'EPMN. Donc le médiateur professionnel, il intervient lorsque effectivement il y a une dégradation de relation entre deux personnes. Alors ce que je voulais vous dire en fait, c'est que après avoir fait quelques médiations et parlé de ce métier, ce qui est quand même incroyable, c'est que on s'aperçoit quand même que quel que soit votre projet, que ça soit quelque chose de tout à fait performant, comme l'écologie, comme, enfin, quel que soit le projet qui tient la route, hein, le projet, etc., qui est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, eh bien, on ne le fait pas tout seul, ce projet. Et que, effectivement, les relations, si les relations au départ entre les personnes se détériorent, eh bien, le projet, quel que soit le projet, eh bien, ça se casse la gueule, même si l'initiative est super, même si tout est OK. Voilà, l'important, c'est l'humain. Donc, je voulais simplement remettre ça un petit peu vraiment en amont, parce qu'en fait, moi, les gens que je rencontre, ce sont des gens qui sont vraiment, comment dire, tout à fait authentiques, qui sont dans leurs convictions et qui sont justes. Hein, je veux dire, c'est tout à fait légitime, hein, ce qu'ils pensent, etc. En tout cas, sur leur projet, sur leur manière de fonctionner, de vivre. Mais ils oublient une seule chose, en fait, c'est que ben, ils sont pas tout seuls et qu'effectivement, eh ben, autour d'eux, on gravite d'autres personnes qui ne voient pas forcément les choses de la même manière et de la même façon. Alors, au lieu, effectivement, de toujours se heurter, eh ben, c'est simplement essayer de se comprendre et de simplement se mettre aussi, des fois, à la place de l'autre et que l'autre est différent et qu'il faut accepter ces autres-là. Et que surtout, il faut vraiment faire attention d'être précieux dans ses relations. Que ce soit familial, que ce soit perso, que ce soit professionnel, que ce soit avec la personne qui va chercher son pain et que vous rencontrez rien que pour vous dire bonjour, prenez soin de vos relations, car sans ces bonnes relations, rien n'est possible. Voilà, petit mot de la journée. Bonne fin de journée et bon week-end.